Rentrer à Toulon, c'était le plus dur. Il y a une montagne qui est presque 1 km, 2 km d'en haut. D'ici comme d'ici, refuse que tu vois quelqu'un qui marche. Au moins 1 km, nous tirer. Le balcon, le balai arrivé sur la limite, il claquait. Ta! On a perdu beaucoup de compagnies. On a perdu beaucoup de compagnies. Il tire à moi. Moi non, non. De la faute. Moi, je n'ai pas peur. Il tire, moi, je ne poussais pas. Non. La 9e digue, principalement, a pris Toulon par derrière. Et là, ce n'était pas facile parce qu'il y avait les fortifications et tout. Les forts de Vauban. Après le Pharon, on a fait le fort du Malbousquet. Le fort Lamalle au Morillon. Et on a perdu pas mal d'hommes, comme ça. Alors, je dois vous dire également une chose. Les Allemands avaient la frousse des Sénégalais. Un de mes soldats était au poste d'observation, qui vient dire, ben, il y a le drapeau blanc qui est en train de se hisser sur le fort. Ça date de 14-18. Ça leur est resté, n'est-ce pas, que si un Sénégalais les prenait en vie, il leur coupait soit les oreilles ou un truc comme ça. Alors ça, c'est resté dans la mentalité allemande. Alors nous, on a eu peut-être un peu de chance de... Ben, les Allemands, ils sont dégonflés, hein, parce qu'ils auraient très bien pu... Nous avons pris Barda au dos et c'était la marche à pied. On n'a pas du tout appelé pour à pied, pour pouvoir des monde là-bas. On a presque fait 27 sur la pied. Poursuivant l'ennemi en retraite, elle fonce vers le nord et fait flotter le drapeau tricolore le 2 septembre sur Lyon, le 11 sur Dijon, le 13 sur Langres. Et le lendemain, elle fait sa jonction à Châtillon-sur-Seine, avec les troupes débarquées en Normandie.